Casa Nouvelle de la semaine, c'est cette petite fille russe en rose qui se glisse dans une manifestation juste devant le gouverneur de la région et fait un geste étrange. Elle montre le gouverneur, le pointe du doigt et puis hop, fait signe de se trancher la gorge ou de lui trancher la gorge. C'est une manifestation contre cette décharge toxique qui pollue l'air et a déjà empoisonné 200 personnes, dont des dizaines d'enfants qui sont à l'hôpital. Quand on lui demande plus tard à la télé ce qu'elle a voulu dire, elle refait le geste et dit « il nous tue ». Depuis ce geste, relayé partout en Russie, c'est cette petite fille de 10 ans qui est devenue le fer de lance de la lutte contre la pollution sauvage. Après ça, le gouverneur a démissionné. Première victoire, peut-être. Le barbecue, une passion américaine pour cet homme, même l'hiver. Une passion dangereuse qui a failli le tuer. Les médecins préviennent aujourd'hui que manger de la viande grillée peut vous mener directement à l'hôpital. Une étude de l'université d'Harvard conclut que la viande soumise d'un seul coup à des températures très élevées produit certains éléments chimiques qui augmentent la pression artérielle de 17% et par conséquent le risque d'attaque cardiaque. Enfin, ça ne concerne que les fous du barbecue qui en font plus de 15 par mois. Si, si, ça existe. Cet homme, quasi nu, est depuis quelques semaines l'invité préféré des émissions de divertissement au Japon. Son truc, être nu donc, et que le public ne voit jamais ce qu'il y a derrière le plateau, qu'il ne tient qu'avec ses mains, mais qu'il tourne et manipule. Comme ça, par exemple. Il le fait aussi de côté, en jonglant, ou avec des briques, ce qui parfois ne fonctionne pas. En tout cas, les Japonais trouvent ça tellement drôle qu'il fait même des pubs avec son petit plateau et multiplie des vidéos comme celle-ci sur Internet. Avec toujours le même principe, qu'on ne voit jamais rien tout en espérant voir quand même s'il y a vraiment quelque chose derrière.